θα μπορούσες να μας παρουσιάσεις λίγο τον εαυτό σου? Ναι, είμαι ο Ηλίας Μάστορας. Ήμουν φοιτητής στην Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προπονητής στο σκάκι και ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο τυφλών από την αρχή του αθλήματος. Αυτή τη στιγμή είμαι υπεύθυνος του αθλήματος σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα το ποδόσφαιρο τυφλών είναι το μοναδικό παραολυμπιακό ποδόσφαιρο στο Παρίσι 2024. Είμαι υπεύθυνος στον φορέα Όραμα Νέων Γιουθοράμα εδώ και 20 χρόνια. Ευρεύει στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, πάνω στο Πανόραμα. Τα πρώτα χρόνια ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά προγράμματα στο κομμάτι της νεολαίας, αλλά τα τελευταία 6 χρόνια, από τότε που γεννήθηκε η παγκόσμια καμπάνια «Μία μπάλα για όλους», μία μπάλα που δεν πωλείται αλλά μόνο βορίζεται, η αλήθεια είναι ότι είμαστε αρκετά δραστήριοι στο συμπεριληπτικό αθλητισμό. Το ποδόσφαιρο τυφλών φιλοξενείται μπροστά στον πύργο του Άιφελ. 13.000 κόσμου θα παρακολουθούν κάθε αγώνα ποδοσφαίρου τυφλών και το Μία Μπάλα για Όλους θα εκπαιδεύσει όλους τους φιλάθλους για να μπουν στα αθλητικά παπούτσια κάθε αθλητή με οπτική αναπηρία. J'étais dans un camp à l'Eptoraria, Eli. Je connais d'autres enfants non-voyants. Et j'étais très heureuse, mais je connais aussi cette personne qui fait beaucoup d'efforts pour moi et pour toutes les personnes non-voyantes. Je suis très reconnaissante pour tous les efforts qu'ils font pour moi. Je voudrais dire que la différence, ce n'est pas une chose très très importante pour faire des amis. Les choses importantes, c'est la personnalité. Tous les enfants et toutes les personnes sont égales. Et la différence, ce n'est pas une chose très, 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 très grave. La personnalité, c'est le plus grave de toutes les autres choses pour faire des amis. Λουκία, γιατί μαθαίνεις γαλλικά? Alors, je rappelle français parce que j'aime beaucoup la culture française, les chansons françaises, les histoires françaises. J'ai connu beaucoup des auteurs, les deux les plus importants, Antoine de Saint-Exupéry et aussi Victor Hugo. Et je connais les histoires et les livres qu'ils ont écrits. Ma phrase préférée, et j'ai beaucoup de phrases, c'est la phrase et les phrases qu'ils ont à faire avec l'amour. Par exemple, la phrase « ma chérie » parce que mon amie Stéphanie me rappelle comme ça. La phrase française « liberté, égalité et fraternité » parce que ces trois mots, ils n'expriment pas seulement la France, mais le monde entier. Je vous remercie, c'est un grand honneur pour moi, l'interview. Car à ce moment-là, personne ne pensait aux équipes ni à la compétition. Tous étaient heureux que Lucas ait enfin joué à son sport préféré et marqué le but dont il avait rêvé toute sa vie. Grâce à la sensibilité de Vera, à la compréhension de sa mère, à l'aide de son grand-père et à soutien de tous. Goal, auriez-vous crié aussi si vous aviez été là, car le fait que tous les enfants puissent jouer ensemble est la chose la plus merveilleuse au monde.